Eh bien, la situation est très inquiétante à l'heure actuelle. Durant les derniers jours, la mission a été prise à partie par les forces israéliennes plusieurs fois. Il y a eu d'autres incidents. Nous ne savons pas qui est responsable. Jusqu'ici, il y a quelques jours, une de notre base à Nakura, le QG de la mission, a été ciblée par un tank israélien. Un peu plus tôt, ils ont également frappé une de nos bases où les casques bleus étaient abrités, nos caméras ont été détruites. Il y a eu une illumination d'un des postes également. Donc ce sont des faits très inquiétants et nous nous sommes exprimés sur ces faits. Ce sont une violation de la résolution 1701, mais une violation grave du droit international des droits de l'humanité.